Pour terminer notre panoplie de types de procédés d'extraction liquide-liquide, voici celui que l'on rencontre le plus couramment, l'extracteur à contre-courant. Nous allons commencer par expliquer son fonctionnement et voir comment on va écrire les bilans et le rendement sur cet extracteur. Alors, je l'ai représenté ici sous la forme d'une colonne, parce que c'est une technologie, vous verrez, qui sera assez courante. Alors, au niveau des notations, donc on va retrouver le débit total grand LA, le titre XA pour la solution qui alimente notre colonne. Même chose VA et YA pour le solvant. Alors ici, j'ai représenté la solution qui rentre par en haut et le solvant qui rentre par en bas. Ça peut très bien être l'inverse puisque tout va dépendre de la masse volumique respective du diluant et du solvant. Alors, donc, on a vu, donc, pour ce qui concerne les alimentations, là, il n'y a pas de changement par rapport aux notations que nous avions vues avant. En revanche, on va noter le débit d'extrait récupéré en sortie de cet extracteur à contre-courant V1 et le titre correspondant Y1. Alors que le raffinat, lui, il sera noté avec un débit LN et un titre petit XN. Alors, vous comprendrez un peu plus tard quand on va aborder ce qui se passe à l'intérieur de la colonne, pourquoi ces numéros sont différents de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Alors, le bilan global sur l'extracteur, on va une fois encore se placer en régime permanent. Eh bien, une fois qu'on a décidé des notations, c'est tout simple, hein, c'est LA plus VA égale LN plus V1. Ensuite, même chose pour le bilan en soluté, toujours sur l'ensemble de l'extracteur et toujours en régime permanent, on va écrire XA LA plus YKVA égale XNLN plus Y1V1, avec ce terme-là qui éventuellement va disparaître hein, si on alimente notre extracteur avec du solvant pur. Alors maintenant, le rendement. Donc, vous vous souvenez, en fait, ça correspond au débit de soluté qui a été extrait. Donc, on peut par exemple l'exprimer en disant que c'est Y1V1 moins YKVA. Et divisé par le débit de soluté à extraire, donc le XALA qu'on a au niveau de la solution. Et on peut aussi l'écrire à partir de l'examen de ce qui se passe côté solution et puis raffinat. Donc là, ça va être un XALA moins XNLN sur, toujours évidemment, XALA. Alors, évidemment, hein, ils sont bien équivalents, elles sont bien équivalentes ces deux écritures, puisqu'en fait, on écrit que ceci est égal à cela, qui est exactement le bilan en soluté qu'on a écrit juste au-dessus. Donc, maintenant que nous avons écrit la manière d'expliciter les bilans sur notre extracteur à courant croisé, on va regarder ce qui se passe au niveau des représentations graphiques.